Bonjour, je m'appelle Benjamin Véron, je suis responsable marketing pour Invacare en France. Ça fait maintenant 12 ans que j'ai rejoint le service et l'entreprise en démarrant tout simplement par un stage de fin d'études. Le premier, c'est la polyvalence, parce qu'on est constamment finalement en train de s'adapter aux nouveaux projets, aux nouveaux challenges, aux nouvelles opportunités. Aussi de l'optimisme. C'est important d'avoir de l'optimisme dans notre travail parce qu'on est toujours confronté à des nouvelles problématiques, donc il faut constamment chercher des solutions. Et c'est vrai que les solutions, si on a un optimisme de rigueur, on arrive plus facilement à les trouver. Donc, le troisième, c'est l'esprit d'équipe parce que finalement, on est dans une entreprise et dans un service où on n'est jamais seul. On n'est jamais seul à pouvoir finaliser quelque chose, donc on a besoin de travailler tous ensemble et d'aller dans la même direction. Donc ça, c'est essentiel. Diversité des missions. On a des missions au sein du service qui sont certes récurrentes, tous les ans on a des choses qui reviennent sur le tapis, entre guillemets, et puis on a toujours aussi des choses qui sont complètement nouvelles, liées à des nouveaux projets, à des nouvelles directions aussi prises par l'entreprise ou à des changements d'organisation, donc qui fait que voilà, on a cette diversité qui est très plaisante parce que finalement il n'y a pas trop de redondance et de lassitude. Tout simplement, je tournais avec un commercial sur le secteur et on a été du coup au domicile d'une patiente qui était en fauteuil roulant électrique mais qui était cloîtrée chez elle parce qu'elle n'arrivait plus à diriger son fauteuil parce qu'elle n'avait plus la capacité de gérer son joystick. Et au bout d'une bonne heure d'installation avec le représentant avec qui j'étais, on a pu du coup lui installer un joystick sur sa palette. Et puis ça lui a permis de retrouver toute son autonomie et de pouvoir ressortir de chez elle, et le sourire qu'on a vu sur elle en repartant, ou une fois qu'elle a pu rebouger son fauteuil, c'était magique et ça m'a fait tilt. Et c'est là que je me suis dit je suis pas juste en train de vendre un produit, je suis vraiment en train aussi d'apporter des solutions à des personnes qui en ont réellement besoin et de leur redonner de l'autonomie. Donc ça a vraiment été un fait marquant, et 12 ans après je l'ai encore clairement dans ma tête. Je pourrais citer par exemple une devise qui me correspond bien et je pense qu'il correspond aussi au mode de fonctionnement d'Invacare, c'est le fait que seul on va plus vite mais que finalement ensemble on va plus loin. Et cette devise là finalement c'est un équilibre, d'accord. Si on fait tout seul ça ne peut pas marcher et si on fait tous ensemble ça ne peut pas marcher non plus, donc c'est un doux équilibre entre les deux, mais ça me correspond plutôt bien.